Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3. On se retrouve avec notre petite aventure et une nouvelle équipe. Je me suis permis de renommer tout le monde. On a donc toujours la Tsarine, bien sûr, Katarina, qui reste la Tsarine Katarina. On a maintenant Dolgar Translatov qui nous rejoint. On a Chobiti main gauche, Onyx Bastion du Nord, dont le travail va être de tenir le Nord, n'est-ce pas. On a Rastiltin, le fléau des rats. On a toujours Malvinette, on a toujours Akatsukwet qui est blessé, nous avons Ivar, et on a Arkady Gujovic qui était juste blessé lui, mais je peux pas le renommer tant qu'il n'est pas revenu, donc on va s'en occuper plus tard. On avait pas mal de choses à faire pendant ce petit tour, notamment ici, essayer de se débarrasser une bonne fois pour toutes de ces ratons. On est sur une défaite valeureuse si on l'a fait nous-mêmes, mais bon, on a quand même une garde du tsar pleine, on a des mineurs avec charge explosive. On a des arbalétriers nains également, qui du coup sont full. On a notre patriarche qui est revenu en pleine forme. Notre boyard avec son truc de régénération. En face, on a du guerrier des clans de base, beaucoup. Un petit peu de scaven, quelques guerriers des clans lanciers. Donc notre cavalerie de toute façon servira pas à grand chose. On va bien sûr la faire et voir un petit peu comment on peut s'en tirer. Donc cette fois, dès qu'on commence la bataille, je vais claquer le truc de soin de Rastiltin, fléau des rats. Et en face, on a un sorcier cette fois, Bilputois. Domaine de la ruine. Des attaques abjectes éprouvantes, déplacement à longue portée, d'accord. Ah putain, et les renforts ennemis arrivent dans notre dos en plus. Nickel. On va pouvoir se placer pour leur balancer de la tronche. Putain, elle est classe cette map. C'est de la glace. Ouais, c'est de la glace. Ok, très très bien. Alors, on pourrait... on est censé être attaquant. Est-ce qu'on peut se déplacer? Se déployer là? Non, on peut pas se déployer là. Ça aurait été abusé. On est censé être attaquant. Ils arrivent dans 1 minute 58, eux. En face, comme prévu, on a extrêmement beaucoup de rats. La question étant, est-ce qu'on peut accueillir l'armée en lambeaux qui va se pointer là, qui est quand même très très expérimentée, tout en tenant en face. Si ce truc là avait des malus, ça serait intéressant éventuellement de se déployer sur l'île. Je pense qu'ils vont venir vers nous, donc je pense qu'on va se déployer sur la petite montagne. Hop, on va ordonner un petit peu les troupes pour les retrouver plus facilement. Toi tu vas là, toi tu vas ici. Ok, il nous reste quand même quelques unités à peu près bien remises. Oui, on peut les déployer en avant-garde, tiens. On pourra les déployer genre ici, mais bon, une minute, ils mettront un petit peu de temps avant de balancer leur charge explosive. En plus, ils en ont qu'une, hein, donc c'est pas forcément dingo. Donc je pense qu'on va les mettre... Ah, on peut pas se déployer ici. Ici c'est coincé, d'accord. Ce qui veut dire que ici on limite notre ligne du coup. On se met là. Ils ont zéro tireur, hein. Donc on va mettre nos lanciers devant pour pouvoir tirer derrière. On va mettre nos archers pour pouvoir couvrir leur fuite entre guillemets. Une unité ici. Pour renforcer un peu, unité là pour renforcer un peu la cavalerie, elle fera pas grand chose de cette bataille, je crains. Elle est trop dans le mal. Ça y est, on a des arbalétriers là, on va les foutre avec eux là. Ah, ils les mettent derrière, je sais pas pourquoi, mais on va les foutre ici. Je veux qu'ils soient prêts à se retourner par là éventuellement. Notre garde du tsar, un petit peu abîmé, on va la mettre là. Le fléau des rats ici. Le patriarche là. Il nous reste quoi? Un cossard avec lance que j'ai oublié. Ah bah. Voilà. Qui est parfait. Hop. Et il nous reste la petite unité de cossard en armure, un petit peu dans le mal, qui va tenir le côté si jamais. C'est parti. On va voir s'ils viennent. S'ils viennent pas, de toute façon, on va se déplacer pour intercepter leur armée de renfort rapidement. Je
Visiblement, ils se déplacent pas, ils veulent qu'on vienne. Pourquoi pas? Alors toi, vas-y, lance ta régénération. Ok, donc du coup, ce qu'on va faire, s'ils veulent pas venir... La ligne, les mineurs, les cossards. On va se placer ici, on va se débarrasser de cette armée en priorité. Là, il nous génère des trucs dessus déjà. Donc on va devoir s'en occuper assez rapidement. Le patriarche en avant, voilà. Hop, un petit bonus de charge parce qu'on va charger, si on peut dire. Les lanciers, je les veux ici et je veux qu'ils courent. Les archers, je les veux ici et je veux qu'ils courent. Les arbalétriers, je les veux ici et je veux qu'ils courent. Ça me dérange pas qu'ils nous pop ces trucs dessus maintenant, hein. Il est très très loin, le moral va s'effondrer très très rapidement de ces unités là. Voilà, et déjà le moral s'est déjà écroulé. Donc c'est déjà plus un problème. Vous allez vous mettre là pour accueillir l'ennemi. Toi tu viens là. Toi tu viens là. Est-ce qu'on a des gens qui ne bougent pas? Vous bougez pas parce que vous êtes en train de tirer sur ceux-là. Si ça vous va. Bon, les autres ils bougent vraiment pas donc non. Retourne avec tes potes ici. Déjà une autre? Putain la vache quoi. Ça se recharge vite. Je savais pas que ça se rechargeait aussi vite. Franchement ça me dérange pas hein, qu'ils nous crament les unités là hein. C'est vraiment pas un problème hein. Voilà, là vous pouvez commencer à tirer là. Ça c'est des esclaves, les esclaves frondeurs. Hop. Ils ont réussi à nous ralentir un petit peu, mais c'est franchement pas la teuf. Par contre, ils sont en train de se précipiter vers nous là. Encore une. Ça c'est quoi? C'est des mineurs à charge explosive, donc on va essayer de faire en sorte qu'ils ne tirent pas dessus tant qu'à faire. Les cossards en armure, go, occupez-vous d'eux. Vous aussi, ici. Vous allez vous placer là. Les arbalétriers, je préfère qu'ils continuent de tirer, ils vont être un petit peu dérangés par, par les guerriers des clans dans leur dos, mais ça devrait aller. La garde du tsar, là et là. Je la veux ici. Vous êtes prêts à encaisser. La cavalerie elle va rester là, des fois qu'elle puisse éventuellement faire une charge à un moment. Toi, tu continues de te soigner. Il souffre un petit peu mais c'est pas très grave, au pire hein, on a une unité qui va douiller. Là ils sont en train de se rapprocher. On manque de cavalerie pour pouvoir se débarrasser d'eux rapidement hein. Essaye de choper ça toi. Ok, bon là ils veulent se débarrasser d'eux. Vous avez peut-être mieux à foutre que courir après ça. Cossard en armure lourde, chargé par ici. Cossard en armure un petit peu endommagé par ici, cossard en armure un petit peu moins endommagé, vous allez là. On a personne qui se balade sur la map à courir après des gens dont on se fout, on est d'accord.
Les mecs, les mineurs, ils sont classés pour allumer un peu. Ça, ça va tomber, mais c'est pas très grave. Là, on envoie lui se faire le prophète. Voilà, nickel. Ça, ça calme. Alors, ça commence à être mieux là, il va falloir s'orienter pour dépouiller ce qui reste, enfin ce qui nous arrive dessus. En position les gars, les archers, toi et vous trois là, sur cette ligne là, en courant. On a perdu une unité de Cossards avec lance, qui était déjà très très dans le mal ici. En échange de 3 invocations d'ennemis, franchement, ça me dérange pas. On nous a lancé un truc là, on peut pas l'éviter, pas avec eux, c'est mort. Stop, arrêtez-vous, commencez à tirer, ils sont assez proches, là pas encore tout à fait, là vous me défoncez ça, vous c'est pareil, commencez à tirer, ils sont assez proches, ici. Je pense qu'on devrait pouvoir s'en débarrasser. Là pareil, on va gagner relativement haut la main ce combat normalement. Putain, ils nous ont invoqué un truc dessus. Faut qu'on garde notre ligne ici, mais on va tirer. On va envoyer le patriarche parce qu'il y a quand même du peuple. Voilà, alors là la charge explosive c'est la teuf hein, forcément. Par contre, leur prophète, il se fait plaisir sur la magie, hein. Ah, ils nous ont repérés là. On va essayer de les faire courir un petit peu. Viens là, mec. Alors, vous, chargez par ici, ici. Toi, t'as bientôt géré. Ici, il faut que tu arrives à te déplacer par là. Putain, ça, c'est des saloperies qui nous ont encore invoqué dans le dos, c'est ça? Tellement de monde. Ah, ils sont un chouïa trop loin pour les Cossards en armure lourde, là. Oh putain. Encore, mais ils en ont combien de la... des guerriers des clans invoqués, là? Bordel. Allez, balance un petit boost toi. Ils ont invoqué sur les Cossards avec lance. Donc on va les gérer. Ici, il faut qu'on tire dans le tas. Bon, là, lui, il va fuir. C'est l'heure d'entrer dans la danse parce que là, on a vraiment besoin de nettoyer un petit peu là. Ici, il y a beaucoup trop de monde malheureusement. La garde du Tsar résiste, mais ils sont vraiment pas assez nombreux. Ici, du coup, on va utiliser notre petite cavalerie pour essayer de faire éviter à ceux qui sont en déroute de revenir, tout simplement. Vous, est-ce que vous pourriez tirer sur lui? Putain, il fait tellement mal avec ses sorts, quoi. Ah, ils sont déjà en train de revenir. C'est pas facile. Il y a tellement de monde en face. Il va falloir y aller là. Tiens, il y a un truc qui se balade ici qui devait essayer de courir après la cavalerie. Eux, ils sont pas encore en déroute. On a des Cossards en armure qui essayent d'aider un petit peu. Putain, mais jamais il arrête quoi. Oh la vache. Bon là c'était un petit peu plus raté de sa part, ça fait plaisir.
Ça sert à rien d'essayer de lui tirer dessus. Il est beaucoup trop loin, beaucoup trop imprécis, impossible à toucher. Alors qu'on a des masses d'ennemis dans lesquels tirer. Donc on va plutôt essayer de jouer, bon alors, sur une charge, on va essayer de le faire chier. Avec notre petite cavalerie, si on peut dire. Oh putain, c'est en train de... notre première ligne est en train de céder malheureusement. Ici ce serait pas mal si le moral pouvait s'écrouler. Nos guerriers se rassemblent, qui ça? Euf, des cossards en armure lourde. Allez donc mettre quelques balles dans les fesses de ceux-là. Là. Eux ils ont fini par s'enfuir malheureusement. Notre deuxième ligne est très très fine, hein. Elle fera pas de miracle. Vous, je suis pas sûr que votre choc soit suffisant, mais si vous pouviez réussir à faire fuir... Qui c'est qui a utilisé toutes ces munitions là déjà? Vous là, vous avez utilisé toutes vos munitions, sérieusement? Bah go alors. Ouais, bah mine de rien, ça aura réussi à faire fuir deux unités, c'est pas si mal. On va essayer de les faire continuer de poursuivre l'ennemi. Toi, tu t'es reformé. J'aimerais bien que tu viennes balancer des trucs explosifs là-dedans. Là. Si tu pouvais, ce serait franchement cool. Ici, un petit boost. Vous là, vous faites quoi là? Vous visez qui là? Vous avez plus de balles? Mais si, vous avez des balles. Ah, ça doit être les invocations qui ont disparu. Allez, en avant. Là, si ça pouvait céder, ça ferait bien plaisir parce que du coup, ça me permettrait d'envoyer Raltistine s'occuper du reste. Donc là, l'objectif, c'est que notre cavalerie, tant bien que mal, essaie d'empêcher ça de se reformer si elle peut. Qui a utilisé toutes ces munitions? Vous? Pareil, rendez-vous par là. Ici, ils sont en train de céder, bah il n'y a pas de miracle. Hein. Ah mais putain, mais vous avez pas réussi à les empêcher de se reformer, vous êtes sérieux? Ouais, c'est du Skaven avec lance, mais... Ils sont trop affaiblis. Alors, sur ce flanc, ça tient un petit peu. On dirait qu'il commence à être un petit peu à court de magie. Ici, il y a des gens qui sont en déroute. Essayez donc d'aller vous en occuper plutôt. Ici, c'est la déroute également. Alors, vous, les mineurs à charge explosive. Là, ils sont en déroute. Eux, ils ont plus de munitions. Vous allez plutôt essayer d'aller vous occuper des guerriers des clans qui sont par là. Eux, il leur reste encore des munitions. Les cossards en armure qui sont là. Vous allez essayer de tenir la ligne face à ça. Les cossards qui sont là, ils ont plus de munitions. Pareil. Ah, les mineurs, du coup, en avant. Ces cossards là, ils ont plus de munitions. En avant. Ici, on est plus que 5, mais bon, si on arrive à ne serait-ce qu'un petit peu les emmerder, ce sera toujours ça de prix. Le petit bonus. Ah oh ouais, ça fait tellement mal. Ah ouais, non mais... Cette fessée qu'ils nous mettent à chaque fois qu'ils lancent son sort à la con, là. Essaye de te dégager.
Ah, ils se sont reformés tant bien que mal. S'ils pouvaient juste venir balancer 2-3 petites bombes là. Vous là. Chopez-les de dos. Non, plutôt ici d'ailleurs. Chopez-les de dos. La cavalerie. Garer des clans ici. Courez-leur après parce que ça c'est du scaven esclavalance qui va vous casser les couilles. Ah putain, ils sont formés déjà quoi. Un petit bonus, c'est pour toi mon gars, profites-en. Toi faut que t'arrives à te dégager, si on arrive à faire tomber le chef là, on sera bien. Mais les héros ont vraiment trop de mal à se dégager dans cet opus, c'est un truc de fou. Allez, 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 allez! Bordel! Dégage-toi! La cavalerie, elle est où? Ah putain, elle s'est fait rattraper par les Skaven Esclavalance, vous êtes sérieux? Putain. Ah ouais, non, mais lui, il nous aura fait tellement mal avec son sort là. Et pendant toute la bataille, quoi. Ok, là. Ça, c'est en déroute, ça, c'est en déroute. Essayez donc de choper ça ici aussi. Vous, vous vous occupez de ça. Et là en plus il a réussi à mettre des gens sur le chemin. Vous, vous avez plus de munitions. Il va falloir un petit peu de renfort par là. Là c'est la déroute, on a personne qui serait prêt à se repointer, non. C'est en train de céder un petit peu là. Putain, il est obligé de retraverser à travers les saloperies. Même là, on n'arrive même pas à les choper avant que avant qu'ils cèdent quoi. Alors, on a des gens qui se rassemblent ici. En avant. Eux, ils ont plus de munitions. En avant. Ici, on est en train de doucement gagner, si on peut dire, parce que bon, ils n'arrêtent pas de se reformer. Notre patriarche, il est en déroute. Arrêtez le champion là. Ok, lui il a réussi à se reformer. Putain, ramenez-moi cette vague de Skaven morts quoi. Alors, parmi ceux qui sont en train de courir là, vous et vous et vous, arrêtez-vous de courir, replacez-vous parce que malheureusement. C'est pas fini. Vous essayez de vider vos dernières flèches là-dessus. Là, on va juste essayer de se faire le chef si on peut. Cours. Putain, mais c'est des guerriers du clan en déroute qui me coincent quoi. Sérieux. Oh, c'est l'enfer. Oh là là, mais je vais perdre parce que je suis coincé dans des saloperies de Skaven qui sont en déroute pourtant quoi. Bon, faut tout envoyer sur sa tronche là. Toi t'es juste à côté, fais ton petit boost de morale, gère-moi ça. Vous, vous retournez, vous, vous me chargez la gueule de ce con là. Ça y est, notre chef a réussi à se dégager un petit peu. Ah, tous les Skaven qui reviennent en masse quoi. Ah mais on n'arrive pas à l'arrêter, pourquoi il n'est pas... Pourquoi nous on est coincé et pas lui quoi. C'est ça qui est ouf. Ah, ici trop de monde, ici nos guerriers là. Ah il a encore de la magie. Oh putain. Qui c'est qui a plus de munitions? C'est les arbalétriers, ok, bah très bien. Essayez donc de gérer ceux-là. Normalement ils sont à peu près capables. Allez là, chope-le. Oh, puis les autres qui se mettent sur le chemin.
vous là, vous êtes qui? Cossard en armure lourde. Je les ai sélectionnés, mais non, ok, ils sont en déroute finale. Là, si on arrive à lui mettre une petite charge et qu'il cède, un petit coup de nounours, ça peut retourner la bataille. Ils se sont rassemblés juste avant de partir. Ça y est, le chef est en déroute. Allez, faut le tuer là. Faut tuer le monsieur maintenant. Attends, me dis pas qu'il va réussir à s'échapper. Mais non, mais sérieusement. Mais cours lui après, putain. Et toi là, viens filer un coup de main par là. Allez, 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 allez! Chope-le! Chope-le, bordel! Si t'arrives à lui mettre un coup, il fuit et c'est gagné! Parce qu'ici, là, y'a plus personne qui va tenir. Oui! Go, demi-tour! Ici c'est la déroute. En formation. Ici il y a des gens qui se reforment, je sais pas qui vous êtes mais go. Il reste des petits guerriers des clans ici. Oh là 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 là. Oh la vache. Victoire à la Pyrrhus, je pense que là c'est le mot. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi tendu, mais alors leur chef là, 166 morts avec ses sorts. Waouh, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Le nôtre a bien fait le taf aussi, on va pas dire le contraire. Bah, notre armée a quand même bien fait le taf. Hein. En face c'était du raton, donc ils étaient nombreux, ça fait des chiffres assez ouf. Par contre, mais tout le monde est mort quoi. Il nous reste 7 survivants. Et 121 de la garnison. Oh putain. Ah, le pire c'est qu'ils sont même pas totalement annihilés. Hein. Bon, on a annihilé leur chef. Mais le limite, le plus gênant c'est qu'il va revenir en pleine forme. Enfin, on peut espérer qu'il sera pas level 9 cette fois. Prendre l'unité renforcée ça sert à rien. Ok, on arrive à les faire reculer un peu. On a quand même tué leurs deux chefs. Cette armée là est totalement annihilée. Par contre lui il est tout seul. Alors limite, je me demande si tout seul il pourrait pas gérer l'annihilation de ce qui reste de l'armée. Mais bon, ça me paraît quand même un petit peu tendu. La barrière et du griffon, franchement, ce qu'on a eu là, c'était mieux là. Le cavalier nomade, non. La bannière, non. Voilà, l'exécuteur rituel là, ça c'est mieux ça. On n'a pas d'armure. Hein. Est-ce qu'on a des objets qu'on pourrait fusionner? J'ai pas l'impression. Si, non, faut fusionner des trucs de même puissance, je crois, ouais. Oh, cela dit, on peut fusionner ça et ça, hein, franchement. Si on gagne une arme, la cape blanche d'Ulrich, c'est un talisman. Armure plus 12. Ouais, on va lui filer. C'est très bien la cape blanche d'Ulrich. Et non, ouais, ça marche pas. Et les auxiliaires, on peut les fusionner. Si je prends genre deux cavaliers nomades, non, on peut pas les fusionner. Ouais. Seuls les objets magiques, on est d'accord. Ce serait un peu con de fusionner des auxiliaires. Bon bah, Raltistine, on lui avait donné son nom de Fléodera, il l'aura mérité. Hein. Ici reste quoi? Ah, c'est un petit peu tendu tout seul hein, quand même. Mais bon, cela dit, enfin, le problème c'est qu'on pourrait la faire fuir, mais probablement pas la détruire hein, tout seul, c'est pas jouable.
Ici, on essaye tant bien que mal de détruire ce bâtiment. Avec l'argent qu'on s'est fait, je pense qu'on va quand même essayer de recruter quelques mecs de plus. Hein. Ça, de toute façon, on va pas. On va rester au moins deux tours ici, ça c'est sûr. Donc si on peut recruter des troupes en plus, on va pas se gêner. Ici, Onyx. Il fallait que t'avances jusqu'à la limite où tu peux avancer. Ici, on a quoi? On voit la garnison. Des champions maraudeurs. Du maraudeur de base. Est-ce qu'on voit ce qu'ils sont en train de construire? Ils ont déjà un Lancan level 2 et des réserves de fourrure. Ok, donc ils en feront pas grand chose. On va prendre des cossards comme ça. 3. Et on tient la ligne. La tsarine. Il lui faut deux tours pour recruter encore ses deux dernières troupes. Enfin, un tour, pardon, pour recruter ses deux dernières troupes, excusez-moi. Et après, on rush la faille. Ici, on avait un siège aussi. On avait un siège ici aussi, ouais. On a même pas réussi à terminer notre poste de guet, c'est bien dommage. Regardons un peu ce que ça donnerait. Une défaite de justesse, sérieux? Ah ouais, on est déjà bien dans le mal, hein. Pourquoi on est autant dans le mal? J'ai peut-être laissé passer un tour. Ok, bah va falloir qu'on la fasse, mais on la fera lors du prochain épisode. J'espère que celui-là vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas également à laisser un petit message. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.